Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans notre nouvelle série multi sur Europa Universalis 4, la Ligue Celtique que ça s'appelle, et je suis avec Le Cygne Noir et Damned. Salut à vous. Bonsoir tout le monde. Salut. Et on vous avait laissé comme des vieilles putes juste avant une grosse guerre, suite à un gros cliffhanger. Donc bah c'est maintenant, la suite, voilà. Tu sais, si je voulais mentir et faire le dégueulasse, je dirais « Ah ben non, en fait, la France, elle veut plus !» Oh, bon, on attaque l'Autriche. Allez, hop. C'est ça. Non, non, la France veut bien. J'appelle la France, la Bretagne, Desmond. Liège et le Portugal seront là, ainsi que Tyrone. Ah ouais, après, je me trompe. Vaut mieux une reconquête ou une conquête? Ah bah, une reconquête. C'est mais par contre, reconquête, je sais pas si tu pourras prendre d'autres trucs derrière, après, tu vois, c'est... Normalement, si. Normalement, tu payes moins cher la province que tu reconquières, et tu peux prendre les autres au prix normal. Hein, quoique, reconquête, c'est marqué... Conquête de Man, retour d'une province légitime, alors que les autres, c'est marqué toutes les provinces revendiquées. Ah ouais, donc dans le doute, mieux vaut peut-être pas... Ouais, surtout que c'est pour Man, donc... Man, on s'en tamponne un peu, quoi. Surtout moi. Ouais, bah écoute, c'est ça. Bon, bah. quand la guerre est déclarée, tu nous appelles et puis bah on arrive. Donc, du coup, on part sur une guerre France, Bretagne, presque Irlande, Écosse, Angleterre, Portugal. Et Liège. Liège. Et Liège. Ne les oublions pas. Qui c'est? Comment ça, Liège? Bah, Liège. Liège. Il est allié à Liège, donc Liège. C'est un pays, ça, Liège. Mais c'est le truc vert à droite de la Bourgogne. Ils sont deux provinces vertes. Ah, t'as lancé la guerre, ça m'a validé une mission, quoi. Allié de confiance. Bah, écoute, très bien. Donc, Tyrone va se faire éclater. Donc là, ouais, t'as intérêt de te déplacer sur les sur les forts à la vitesse de la lumière, mon cher ami breton. Ah bah, c'est parti, là, j'essaie de prendre des trucs... On passe peut-être en vitesse 2. Oui. Ouais, pour cette guerre, je suis pas contre. Ouais. Je te laisse gérer mes 5000 hommes. Question, je reste en mode défense et je vous attends ou j'y vais en mode bourrin et je suis presque sûr de me faire défoncer. Ouais, son seul fort c'est un marais, donc si t'attaques dessus, tu vas douiller quoi. Ouais, c'est un peu violent le fort là. Ouais. Bah, comment? Je pense qu'il vaut mieux que tu recules d'un cran, que tu sois derrière ta forteresse. Moi. Ah, mais y a pas de forteresse justement. Mais si, y a une forteresse. Les marches occidentales, c'est une forteresse. Ouais, j'ai une forteresse. Ah, sur une colline en plus. Voilà. Donc tu recules au Ayrshire. Ouais. Moi, j'éclate les deux merdes qui se trouvent sur mon petit moodle là. Et après, j'arrive. Ok. Allez, ça marche. Vous êtes prêts tout le monde? Si. Je vais même carrément mettre du vitesse 1 au début pour que le signe puisse se placer au bon endroit. Le let's play en dépend. Ah bah non mais là guerre contre l'Angleterre, on fait pas complètement n'importe quoi hein, Bah oui, c'est pour ça. Voilà. Oh, il y a la Castille qui me paye des subsides juste au moment où j'allais claquer des points pour prendre un impôt de guerre. Merci Castille, 3 vins par mois pendant 25 ans, c'est cadeau. Eh putain, c'est mon allié, vas-y lâche du blé enculé. C'est n'importe quoi. Il a même pas voulu s'allier à moi, mais là pof cadeau, allez hop, je te file du blé, bah ouais bah go. C'est complètement ouf. Au secours, mais grouillez-vous bande de troupes là, qu'est-ce que vous foutez? Bataille, ah oui non c'est Tyrone. J'ai eu peur hein. Bon bah avec 6000 hommes hein, je vais pas faire de miracle mais on va essayer de se poser où on peut. Ouais voilà, essaye de bien te mettre partout. Je repasse en vitesse 2 parce que vitesse 1 les gens ça va les saouler. Ouais. On essaie d'aller à cause. Je vous dis quand je vois le visage anglais à ma frontière. Et si je peux peut-être me scinder aussi, même si bon. Il se passe quoi si je fais ça là? Alors il y a 20 000 bateaux qui font un blocus, il y a 18 bateaux de transport. Ouais putain, on a les bateaux de Tyrone qui font un peu chier pour l'instant. Ah non, ils peuvent pas m'empêcher de passer, c'est vrai. Eh ben non, c'est l'avantage. C'est pour ça que je t'avais demandé de me le donner ce truc là. C'est fini ça, c'est fini maintenant. À Ulster, c'est le truc à prendre en premier quand t'es d'Écosse. Hein. Bretagne occupe Alençonnay. Ah oui putain, Bretagne, je pensais que c'était l'Angleterre qui fait des trucs quoi. C'est toi le breton. As-tu vu qu'il y a 14 000 Anglais qui sont apparus justement? Où ça? Ils sont à Cumbry. C'est où Cumbry? Juste après Marche Occidentale, collé la frontière. Ok, bah j'arrive avec quelques hommes de plus. Ils ont un général 2 étoiles, 2-4-3-0. Très bien. Enfin, façon de parler quoi. Ouais, pour l'instant, je vois pas de débarquement emmerdant. Non, bah je vois pas non plus. Ouais, l'anglais pour le moment. À 16 000, ils sont passés à 16 000, ils avancent chez moi. Hein.
l'anglais, hein. Fais gaffe, hein. Ah bah là, il faut qu'on y aille, là. Go, 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 go. Et là, c'est parti. Ah ouais, parce que là, c'est lui qui va se taper le malus. T'hésiteras pas à faire sortir les troupes du fort, s'il te plaît? Ouf, il y en a 15 000 qui sont arrivés. Faire sortir les troupes du fort? Ouais, attends. Ah bah, mettez pause, hein, si c'est la merde. Ouais, au pire. Ah la vache, c'est la douleur. Attends, elles sont... Bah, je peux plus. Bah si, je suis pas sur le bon truc, peut-être, aussi. Mais pause, au pire. Il faudrait trouver le truc, par contre, là. Attends. Il faudrait vraiment le trouver, le truc. Moi, il me dit que je peux pas. C'est le petit bouton effectuer une sortie quand tu cliques sur la province. Bah si, pourtant il y a bien un siège en cours. Bah oui. Non, mais il faut qu'il y ait au moins 1000 hommes ou je sais pas quoi là. Il y a que 420 défenseurs dans la province. Bon. Moi je peux pas. Je vois pas. Si tu cliques juste à côté de la jauge de morale, t'as un bouton effectuer une sortie, mais ça doit te dire un truc du genre vous pouvez pas sortir, il faut au moins X hommes pour pouvoir effectuer une sortie. Ok, bon bah c'est la base ultime du coup. C'est ça, oui, je peux pas. Je peux pas. Bon, bah donc la bonne nouvelle. C'est que bah, on a perdu, mais que c'est pas si grave que ça, parce qu'on va pouvoir recommencer avec mes troupes. Ouais, ça c'est la loose. Whap. Ah bah c'était l'anglais, après, hein. Il va mettre un moment avant de reprendre ce fort, mais bon... Ouais. Bah si tu peux me rejoindre, du coup, je vais envoyer toutes mes troupes cette fois. Tant pis pour le siège de Tyrone, il faut que cette armée elle soit défaite, de toute façon. Il y a le français qui me laisse crever face au Portugal, c'est gentil. Je veux bien, après il va me manquer pas mal de troupes. Tant que ça revienne dans les régiments. Putain, ça me gaffe tellement ça. T'as pris un mec pour faire la discipline et tout? Qui? Moi? Ouais. Bah j'en ai pas. T'as personne qui peut faire la discipline? Là non. Dommage. Ouais, c'est la douleur ça. Bon, attends, parce qu'il faut que je m'occupe du mec qui est chez moi parce que là il saoule en fait. Ah, oh bah attends, j'en ai un qui vient d'apparaître, putain. T'es le messie, toi. Hop là, j'en ai un. Ouf. J'en ai un qui est mort et un qui vient de le remplacer. Parfait. Faut que j'attrape ces deux fumiers. Bon, je compte même pas le coût que ça me coûte par mois, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, ça c'est pas grave ça. Est-ce qu'on peut aller défoncer quelque chose maintenant? Bah, on est pas nombreux, hein. On est combien par rapport à eux? On est 15 000, ils sont 26 000, plus 4 000, donc 30 000 en fait. Ils sont. Ouais. Ah, ils sont tous là quoi. Ouais. Ah bah ça va, c'était le problème, c'est que je savais que le français n'allait pas traverser. Hein. Bah en même temps, pour l'instant, on peut pas, il y a les forts qui nous bloquent. Même si on voulait quoi. Bah, je vais payer mes bateaux au cas où ils puissent quand même servir à quelque chose en speed. J'ai eu un événement qui m'a filé les. Les îles du Danemark. Prends un ou deux mercenaires, parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que si on n'attaque pas, il va prendre le fort et on va l'avoir dans l'os, de toute façon. Attends, je prends des emprunts, parce que j'ai plus de thunes. Quoi? Le Portugal m'est tombé dessus. Ah ouais. J'ai pas eu le temps de m'enfuir. Tristesse. Ah, du coup, ouais. Enfin, je vais déjà perdre moins de troupes que vous, mais quand même, c'est la tristesse. J'arrive avec mes 4000 hommes, là, en espérant que ça tienne encore un moment. Pas si sûr. Au pire, ce que tu peux peut-être faire, type, c'est me filer PAL, comme ça je pourrais embaucher des mercenaires chez vous. PAL? Ouais, le truc anglais que t'as occupé là. Ouais, je peux. Je vais essayer. Bon, c'est vraiment de la merde hein, comme stratégie. Mais... Bretagne, vas-y. T'es prêt à y aller là? Il faut qu'on retape, faut qu'on retourne dessus. Hein. Bon, j'ai pu prendre deux mercos. On va perdre, hein, c'est sûr. Eh ben, on va sur les 4000 alors. 4000, ouais, si tu veux. Go. Les 4000, attention, c'est un colline. Hein. Ouais, mais ils sont que 4000 et ça fera comment si l'autre il nous pousse. Enfin, si l'autre il bouge, il perd son siège, quoi. Et tu vois, il va le gagner à ce moment-là. Hein. Tu vas voir. Ah bah, il bouge, tiens. Ah, le petit bâtard. Ouais, il a scindé son armée en deux. Je l'ai jamais vu. C'est rare que je le vois se faire ça. Mais là, il l'a fait. Là, il l'a fait, ouais, il l'a fait. Mais par contre, non, il lève le siège, du coup. Ouais. Mais. Il est pas serein. Ouais, mais par contre... Ouais, mais là, par contre, ça va être tendu. Hein. On a moins deux. Moins deux. Back à l'Ayrshire, ok? Ok. On back. Plutôt que de perdre perdu, de... Voilà, on a levé le siège, déjà. Ouais, on gagne du temps. Ouais, ça fait gagner un peu de temps. Je vais essayer de prendre Tyrone avec mes 2000 hommes, là. Je sais pas si ça va suffire. Ouais, ça à mon avis, non. Bon, je peux rester là pour éviter qu'ils recrutent des troupes, déjà, mais... Oh, le nombre d'emprunts que j'ai. Au secours. Bon, la France, elle se bouge un peu le fion, ouais, c'est cool.
Non, mais tu pourras pas. En fait, il faut qu'on se regroupe plus que ça, quoi. Ah bah ouais. Vous êtes attachés, non? Bah nous, on est plus ou moins attachés, ouais. Je vais laisser 1000 hommes à Tyrone pour être sûr qu'ils recrutent rien, et puis je vais rejoindre, ça a toujours ça de prix. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse péter le... Comment? Les mercenaires et tout. Hein. Ouais, j'essaye, hein. Ouais, je comprends. Je suis en train de... Je suis à moins 11 par mois, enfin c'est... Moins 11 ? Moins 11. Ah, mais c'est parce que tes armées, ouais. Eh oui. Après, je peux les contracter, hein, les armées, hein. Enfin, les consolider, je vais les perdre, mais bon. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, je vais faire ça, parce que c'est pas la peine. Trop cher. On prend de l'attrition, là. Ils sont que 22 000, eux, hein. C'est ça, le truc. Et nous, on est combien maintenant? Je peux plus m'attacher à vous, je sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû dégager l'attachement. Permettre aux alliés, vas-y. C'est bon, je suis attaché. Je vous envoie du renfort. Ouais, bah là, c'est pareil, faut qu'on y retourne. Hein. Faut qu'on leur pète les dents. Si le français aussi débarquait, quoi. Ouais, mais le français il débarquera pas. Mais déjà, si le français il gère le portugais, ça nous va bien. Ouais, hein. Il gère le portugais et compagnie, hein, c'est déjà pas si mal. Hein. Bah, j'ai envoyé un ordre de débarquer, mais enfin. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis toujours prêt, attends, j'ai deux troupes qui se... Voilà, parce que là il faut qu'on leur ressaute à la gueule. J'ai 2000 hommes qui se pointent aussi, si vous voulez attendre 2 secondes. Ouais, il faut être le maximum possible. On est en train de bouffer de l'attrition, mais bien comme il faut. Ah, par contre, on peut pas tout avoir. Hein. Ou alors on se scinde et on rejoint, mais bon... Ouais, enfin, non. Je pense que là il faudrait vraiment qu'on y aille. Bah allez-y, mes 1000 hommes, ils vous rejoindront. Allez. C'est parti. C'est bon, ils sont là. Let's fight! Bon, je... Ah, t'es arrivé un poil avant, mais bon. Ouais, c'est... mais ça, normalement, on va leur mettre une grosse branlée. En plus, normalement, c'est que ouais. Des zéros, quoi! Ah non, pas là. Allez, Plantagenet, là. Crève. Et il fuit. Bien joué! Bah, on va sur sa forteresse. J'ai envie de dire ouais. Enfin, moi, je m'arrête là pour dessiéger ton truc. Ouais, pas de soucis. Je me scinde pour aller siéger l'autant foiré également qui est là-bas. Parce que je pense que là, il va avoir du mal à s'en remettre de celle-là, déjà. Ouais, ça va lui faire du bien, je pense. Ouf, moins 64. Moins quoi, 64, de quoi? Le siège. Ah bah ouais, ça va être long, par contre. Hein. Forcément. Hein. La France, tu pourrais pas te poser sur Liège? Plutôt que te mettre à côté de Liège? Tant qu'à faire. Attends, si je lui donne l'ordre d'y aller, est-ce qu'elle y va? Non, bah non. Ok. Oh. Ouais, on est qu'à 4%, il faut vraiment prendre le comment? Il faut vraiment prendre la cible de guerre, quoi. La cible de guerre, c'est quoi? C'est Man? Non, c'est celui sur lequel on est dessus actuellement. Ah ouais, parce que Man, c'était impossible à prendre. Non, c'est pour ça que non. C'est marrant, hein, il est déjà en moins. Putain! Il y a 8000 Portugais qui débarquent chez moi! Ah, les 10 000 même! Ah, puis ils débarquent, faut les choper avant qu'ils arrivent. Ouais, faut bouger là, ouais. Attends, on va mettre une pause parce que si vous êtes. Je veux bien apporter des troupes, mais attends, là faut. Ah putain! Est-ce qu'on peut pas choper les bateaux anglais là? Qui sont en bas? Je peux essayer. J'envoie ma flotte pour essayer de les intercepter. J'arrive aussi. Avec attendez, je programme les déplacements. Voilà. Pas passer par le portugais, même si le portugais va arriver, hein, mais bon. Est-ce que tu vous envoies 6000 hommes, ça va? Ouais. Est-ce qu'on a un commandant? On n'a pas de commandant, il nous faudra un commandant. Il y a un commandant de mon côté là. T'en as un? Okay. J'ai un commandant 2 étoiles. Alors je vais t'arrêter par Tyrone au niveau de mes bateaux, mais ça devrait le faire. Putain de galère. Ah bah oui, hein. Ah oui, après si on arrive à passer celle-là, c'est quand vous voulez. Bah c'est toi qui as mis la pause, Damned, donc ouais, vas-y. Ouais. Allez. Ah la vache. Oh, ce que je vais prendre, la vache. Ouais, donc là je me suis fait calculer. J'envoie la flotte. Il a annulé son mouvement. Ah, il a filé un coup de main au bateau, je pense. Ouais. Putain. Ah, il a des bateaux lourds et tout. On se replie sur la bataille navale, je pense. Hein. On se replie. Ça coule, hein. Méfiez-vous, il y a 20 000 bateaux qui vont arriver. Hein. Ouais, il y a du renfort qui arrive.
au nord, il y a 20 000 bateaux qui arrivent. Bon, bah, ça, on se replie, on se replie, on se replie. On se fait attaquer par l'anglais sur la. Putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on perd comme ça? Bah, le malus de terrain qui pique. Ouais, t'as le malus, mais bon, ils sont que. T'as pas de général? Bah, je comprends pas où il est, mon général. Ah, j'espère qu'il est pas mort, c'est fâcheux. Bah, attends, il est pas dans l'autre armée non plus. Il a dû crever au début du combat. Oh, putain de galère. Je l'ai même pas vu. Attends, je regarde. Ah putain, ouais, il est mort. Je l'ai même pas vu, quoi. Ah, la loose. Ah, la loose absolue, quoi. Ouais, la loose absolue, en effet. Oh, putain. Non, mais il y a moyen que ça passe quand même. Bon, je vais arrêter de tenter le siège ici. Ça me casse les noix, je me casse, je vais t'aider là-bas. Ouais, bah moi, je me barre aussi. Ouais, je vais reposer 1000 hommes là sur... Ouais, vas-y. Pas d'hommes, et puis... Il faut qu'on aille soutenir, de toute façon. Bah, j'ai déjà les 6000 hommes qui sont en train d'aider l'Écosse, on espère que ça tient. Ouais, mais on sait pas si ça suffira, donc il faut qu'on y aille, quoi. Puis l'anglais est en train de recruter bien à fond, là. Ouais. Il a redébarqué ses 6000. Mais l'anglais, il va perdre pas mal de provinces dans le sud, déjà. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir sortir le Portugal au bout d'un moment, tu sais. Regardez s'il est pas gavé, le portugais. Ouais, alors pour l'instant, c'est pas... Non, pour l'instant, ça m'étonnerait fort, mais... Ouais, pour l'instant, non. Clairement. Si on sortait Liège, il veut pas sortir, là. Ça libérerait 10 000 Français qui foutent rien à côté de sa capitale. C'est clair. Attendez, 2 secondes. Je recontacte un prêt. Voilà, contracte un prêt. Liège, non, bah, je pense pas. Hein. Ouais, il faudrait que t'aies un ou deux mercenaires qui rejoignent le combat, là-bas. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, ouais. Attends. Clac, 2, 3. Putain de galère. Vous me dites, hein, quand... Ouais, bah, de toute façon, bon, c'est... Tu peux, et Liège ne veut pas sortir, bien sûr. Et bah, go. Allez, putain... Ouais, il fait un 0. Un mercenaire et tu fous un général et tu l'envoies dessus, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai des troupes qui arrivent, mais. Oh là là, la douleur. Ah, souffrance. Je m'épose, c'est volontaire. Justement pour faire ce que vous dites. Faut que je recrute un général. Aïe, 5 de manœuvre, ça c'est bien ça. Oui, bah, il sera vite sur place, c'est déjà ça, ouais. Il faut absolument, qu'on prenne ce siège. Hein. Allez les mecs, allez, ah, allez. Putain. Non. Allez, ils ont fait des zéros, on fait du 6. Allez. C'est la douleur. Tenez un peu, les renforts arrivent. Les mecs qui arrivent. Oh là. Yes. Ça a tenu, putain. Oh, épique, mon dieu. Consolide tes troupes. Consolide. Parce que sinon, tu vas te trapper une attrition tellement porcine et puis tu vas perdre tellement d'argent. Ouais, on boit l'argent. Tu sais. Oui, mais il faut comment? Non, il faut quand même que tu puisses remonter à un moment, quoi. T'as raison. Oh la vache. De toute façon, ça lui a coûté plus cher qu'à toi, ça. Hein. On l'a remis en enthousiasme moyen, c'est déjà ça. Ah ouais, bah il doit être gavé, le mec, tu m'étonnes. Il a annulé ses débarquements et tout, donc c'est quand même... Ah yes, on a fait sauter les murs de Tyr et Ogain. Enfin, Tyrone, quoi. Oh non, j'ai des soulèvements, putain, qui vont arriver. Oh non, merde. Ah, les 9000. Mais t'as rien compris. Les 9000 putains de portugais. Les trucs au nord, là, de l'Irlande. c'est pas grave. Ils sont où, les 9000 de putains de portugais? Ils sont en train de débarquer. Ah, je les vois pas. Ah, ils doivent être... Ils débarquent sur ma capitale, en fait. Putain. Ah, putain, super. Je vais rejoindre. Mais normalement, je pense savoir ce qu'il faut pour le gérer, en fait. Qui c'est qui a... Pardon, vas-y. T'arrives à le choper avant qu'il... Ouais, mais non, j'arriverai pas à le choper avant qu'eux, parce que je vais essayer de prendre le siège, quand même, tu sais. Ouais, c'est vrai que... Bah, sinon, je laisse mes... Par contre, c'est pareil, c'est tendu. Il nous faudrait 23 000 pour prendre la province là-bas. Il y a 14 000 Anglais juste à côté. J'ai un peu peur. Ah, putain, il a tellement de bateaux, je peux pas traverser, quoi. Ah, ouais. Ça, c'était sûr. Hein. Ouais, les bateaux, ça va foutre la merde, on est d'accord. Bon, allez, on est à moins 21. Après, ou alors, si tu veux faire ça... Attends, je me pose. Si tu veux débarquer, faudrait que tu essaies de faire une manœuvre avec tes bateaux, de faire tout le tour. Et que, enfin, faudrait trouver un moyen qu'il y ait quelques... Genre, moi, je mais non. Ces bateaux non. Et toi, tu fais le débarquement. Je pense que c'est une bonne idée de tenter des trucs, on va juste perdre nos flottes. C'est... Moi, je sais pas. Est-ce que je peux baisser un peu ton son, Damned? Parce que t'es super fort quand même, je trouve. Bon, c'est pas trop grave. Ah. Bah, d'ailleurs, je me suis fait calculer. Ah ouais, 40 bateaux, putain. Ouais, ils ont fait un stack, je l'ai pas vu venir. Bah voilà. Ah bah, y'a plus de flotte.
Ah oui, les bateaux, c'est vraiment un running gag. Oula, ouais, 14 000, ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, plus les ah bah, 10 000 en dessous, là. Ils arrivent. Ah, bah, j'arrive aussi. Enfin, j'arrive. Oh putain, ouais, ça va être tendu, cette histoire, encore. Non, là, celui-là, on est mort. Pas forcément. Bah, vu les résultats de D, si. Ah, ouais, ça pique un peu, j'avoue. Ouais, non, là, c'est mal. Putain! L'astuce de guerre élevée, ouais, bah on va se détendre. Hein. Ah, parce que t'avais enlevé tes troupes en fait? Ah, ouais, pour le portugais. Ah, ouais, bah, ouais, je suis obligé parce qu'il y a le portugais qui a 10 000 hommes chez moi là et ça fout un peu la merde. Putain. Finalement, c'est bien le Portugal qui va nous. Allez, 7% s'il vous plaît, faites un effort les gars. Il faut que je le foute dehors de chez moi de toute façon, lui, parce que sinon il va m'emmerder jusqu'au bout. Bon, ça y est, je vais essayer d'aller m'occuper un peu. Yes, fin du siège ici. Ah, c'est cool. Ça fait bien. Je vais m'occuper du portugais en speed. Il faudrait rester par contre, hein, parce que je suis Q8000. Hein. Ah, t'es Q8000, pardon. Si t'es pas attaché, je peux pas aller le chercher. Oh, l'anglais qui accepte une paix blanche, mais ça nous intéresse pas. Une paix blanche, non, pas trop. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Bah là où on est, ouais, carrément. Ils sont bon, les ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre. On va déjà se détendre, on va déjà réduire un petit peu. Des cavaliers, j'en ai combien? J'en ai deux. Ouais. Sur le prix que ça coûte, c'est bien d'en avoir que deux. Ce qu'on va faire, j'arrive avec toute l'armée, on va les jeter sur le portugais. Hein. Le temps qu'il fasse le piège, on s'en débarrasser. Hein, parce que... Tu crois? La France est en train de rusher le portugais. Oui, oui. Hein, donc, bah, de toute façon, tu veux qu'on fasse, je fasse quoi? Le regarder de l'autre côté de la frontière? Ouais, ouais, t'as raison. Allez. On va foutre le portugais dehors. Il est 12 000, moi je vais être 10 000. Après on remonte et puis on va tarter le. Il se regroupe pas donc autant en profiter quoi. Il est passé en faible hein, l'anglais. Ah bah oui, il doit être gavé avec ce qu'on lui a mis, attends. Ah oui, non mais ça c'est sûr que. Il accepterait même de donner pâle. Allez, c'est parti. Mais bon. C'est parti. Ouais, ouais. Donc là c'est le glorieux Fitzgerald hein, qui mène l'armée quand même. Oh le malus quoi. Putain les gars, quand vous arrivez dans le combat, y'a plus de morale, qu'est-ce que vous avez foutu? Bah en même temps on est un tech en dessous hein. Je suppose que ça doit aider. Non mais tu fuis pas, t'as vu jouer ça où? Il faut l'attraper hein. Poursuivez. Bah je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a eu un malus comme ça. Non mais ça doit être parce que avec la défaite on n'a pas encore repris le moral. Où est-ce qu'il va ce con? Ah mais genre, tu traverses quoi là? Tu rigoles? Bah si, y'a pas de bateau pour bloquer. Il peut, y'a pas de bateau pour bloquer, donc il peut. Ok. Oh mais l'autre, il va chez les Anglais, vraiment? Ah bah oui. Ouais. Ok, bah de toute façon, on est tous là. Parce qu'il faut sauter sur l'Anglais, donc... Le moral est pas remonté, là. Attendez un mois au moins. Ouais, quand le moral sera là... Dans la lassitude de guerre. Ouais, baissez la lassitude, si vous pouvez. Ouais. Je sais que ça coûte cher tout ça, mais on a garde le choix. Hein. Bah de toute façon, dans cette zone-là, au début, on est obligé de péter du poing pour poser nos couilles, hein, sinon... J'ai jamais eu autant d'emprunts, je crois, de ma vie. On attend la fin du mois et on y va? Attends, j'ai recruté 3000 mercenaires. Oh putain, encore? Oh, bah écoute, je suis à 16 emprunts, je suis plus à ça près. Hein. Ouais, fais gaffe à la banqueroute quand même. Hein. Ah bah oui, mais bon. Ça pourrait te foutre un peu dans la merde. Moins 10 par... putain la vache. Oui, certainement. Bon. Hein. Tu peux peut-être te rembourser un peu sur Liège, je pense qu'il va vouloir sortir Liège. Il est assiégé de partout, il a plus d'armée. Est-ce que tu peux me refiler le siège par contre de Pâle? Parce que je pense que je vais le réclamer à l'Angleterre, moi. Ouais, mais je le gardais pour recruter des troupes, mais okay. Bon, là, faut y aller les gars, vous êtes prêts? Attendez. Je négocie avec Liège, effectivement, pour qu'il nous donne un peu de sous, en plus. Ouais, Liège, bah s'il peut payer un peu de thunes et puis se tirer, ce serait parfait, ouais. Après, il y a la France qui est en train de lui sauter dessus, donc si t'attends peut-être la fin du combat, il y a moyen qu'il lâche encore un peu plus, si jamais il lâche pas déjà tout, là. Bah, il lâche tout le fric. Hein. Ah bah, s'il lâche tout le fric, plus les répas de guerre. Répas de guerre aussi, ouais. Ouais, bah c'est bon, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Hein. Ouais, c'est clair, hein, Liège, on s'en fout. Hein. Allez, ça va libérer 20 000 hommes pour aller taper sur le Portugal. C'est fait. Ok, est-ce qu'on peut y aller du coup? Là. Moi je suis attaché, c'est quand vous voulez. Moi aussi, c'est quand Allez, vous voulez. Allez, go! Oh là là, ça va être chaud. Hein. Il y a les 9000 Portugais, on va prendre cher.
Fais sortir la... comment? La milice cette fois. Tu peux, ils sont 1500. Attends, mais j'ai pas la main sur le truc. Attends. J'ai pas la main. Non, mais clique sur la province. Ouais, ça y est, c'est bon. Là, je les ai. C'est bon, tu les as? Autant pour moi, cette fois-ci, c'est bon. Ils sont sortis, je les vois, ils sont sortis. Parce que ça peut jouer, ça, hein, complètement. Ouais, entre le malus, on a un général à peu près qui... Yes! Ouais. James Fitzgerald, je suis devenu charismatique. Ouais, tu peux. pourquoi ils gueulent, les clairs, là? Pourquoi ils sont tombés à 32? J'ai dû avoir un événement que j'ai pas fait attention. Ouais, même parce qu'ils gueulent toujours plus ou moins. Ouais, tiens, hop, ils remontent à 50. Les Portugais, ils veulent pas se tirer, là, au fait? Ils sont en train de se faire assiéger la face par les Français? Ils sont en élevé pour le moment. Ils sont toujours en élevé? Ouais, ils sont en élevé, ouais. Et non, ils veulent pas. Je vais essayer d'accélérer un peu les sièges. Non, pour moi, c'est 14 pour, 63 contre. Donc, pas du tout. Il y a 23 000 Français qui se pointent, à mon avis, il va commencer à faire la gueule. C'est possible. Ça te dirait de venir m'aider, s'il te plaît, mon cher ami écossais? Pardon, excuse-moi. Comment ça, n'es pas serein avec 6 000 hommes sur le North Mainland, là? Je ne comprends pas pourquoi. Nope. Je suis pas serein du tout. Ça fait chier tout à l'heure. Moins 8 par mois. C'est bien, 8, moins 8 par mois, c'est propre. Moi, je suis à moins 9, hein, mais... Ouais, c'est propre, c'est propre. C'est propre. C'est un beau chiffre, c'est rond. Ils sont dans le mal total par contre, hein. Ils sont gavés. Je vais récupérer 1000 hommes là pour aller dessiéger ta province. Ah non, t'es en train de t'en occuper. Ouais, je suis en train d'y aller là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y aller. Parce que je quitte complètement le front pour faire autre chose, mais admettons que ce soit pas grave. Ça va beaucoup jouer sur ta lassitude donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, c'est chaud. C'est tellement chaud. Allez, un emprunt, crack. Puis une rébellion. Matez-moi ça, c'est pas le moment de gueuler, putain de pécor. Il y a une enfoirée d'anglais, là, ça vaudrait pas le coup de leur sauter dessus, tant pis pour le siège. Non, on est à 49, faut voir. En fait, il vaudrait mieux faire des grosses batailles. Hein. 20 000 maintenant. Il va pas. Ah, il va nous sauter à la gorge, je le sens. Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux leur sauter à la gorge avant. Tu sais, dans une position... On va à Cumbry, du coup? Attends. Ah putain, il y a 10 000 Portugais aussi, oh là là. Ouais, mais c'est pour ça, faut sortir le Porto si possible, quoi. Ah ouais, putain, je serais bien pour moi. Il est en moyen, attends. Ouais, est-ce qu'il y a moyen de sortir le Porto? Non, il y a toujours pas moyen, putain. À mon avis, il va bientôt lâcher le Portugais, là. Il est à l'agonie, là. Ouais, il est assiégé de partout. J'ai une fenêtre non-stop en surveillance dessus. Ok. Il est à moins combien? Je suis pas sûr que ça soit fait. 34 pour oui, moins 63 pour non. Ah putain, ouais. Ah ouais, la vache, il veut vraiment pas, quoi. Ouais, non, mais je pense que là, il faut reculer pour chasser les Anglais, je pense. Hein. Non? Je sais pas ce que vous en pensez, il est à moins 35, on est à moins 49. Je suis assez d'accord, et en plus, c'est lui qui aura le malus si on l'attaque sur Cumbry, alors que... Moi, je dis, on a tenté 2000 hommes, hein, qui peuvent changer. Ouais, ils arrivent, là, ils sont en train de remonter. Mais je pense qu'il faut déjà passer par les marches orientales avant, tu sais, il faut remonter d'un cran. D'accord. Ouais. Pour ensuite attaquer le... De toute façon, il n'y a pas de lien entre le Cumbry et là où vous êtes, donc... Tu veux qu'on y aille dessus? On peut encore attendre un petit peu. On peut attendre de voir si le Portugais, dans un tour ou deux, il veut bien se tirer. De toute façon, elle n'est pas tombée, ta province, encore, là. Non. Bah, heureusement que j'ai ça, hein. Il est à 21%. Ouais. 21% et le Portugais peut tomber. Ouais, pour le Portugais, 33 pour, moins 60 contre... Oh, putain, ça, ça a pas lâché, putain. Tu veux qu'on y aille? Moi, j'attendrai encore un tout petit peu. D'accord, non, bah, pas de soucis. Ça, j'attendrai de voir si les 28% réussissent sur la prise de la province du fort portugais. Là, il est à moins 28. Tant que c'est pas à zéro, il n'y a pas d'urgence, quoi. Si le portugais peut tomber, c'est beaucoup plus rentable. Ouais. Je vais essayer d'y aller, on sait jamais, ça va peut-être jouer. Toi ? Il y a un commandant qui était bon en siège, mais il est décédé malheureusement. Mais c'est pas ça là. Putain, 35%, réussissez un putain de jet, c'est ouf ça. Ah ouais, non, ça change rien. Et là, il est toujours pas dans le mal ? Non, le portugais ? Ouais. Ouais, il est confiant le portugais, j'ai l'impression. Hein. Non, il y a 4000 hommes sur le continent. Je vais te dire ce qui est négatif. Il est moyen quand même, hein. Ouais, mais la durée de la guerre, ça fait encore 13 points. Sa puissance militaire, 12 points. Ce fait qu'il ait des alliés en guerre, 10 points. Qu'il contrôle la capitale, 5 points. Ouais, mais il va pas contrôler la capitale longtemps aussi. Hein. Ouais, mais moins 5, ça suffira pas. Hein. C'est la durée de la guerre là qui fait le plus... Ouais, bah on va pas y arriver. Je pense qu'il va falloir qu'on relance un assaut sur l'autre connard d'anglais.
Mais ils vont être 30 000 quoi cette fois, hein. Ça va piquer. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai chopé un commandant avec d'autres sièges, je vais aider le français. Ça va piquer grave cette histoire. Demi-tour, mec. Ouais, il faut remonter là, ils sont à 7% sur un coup de bol, c'est la mort, donc ouais, non, faut qu'on y aille là. 7% ça commence à être le drame. On va prendre cher hein, par contre. Bah moins que. T'es prêt, on y va? Ouais, vous êtes... Vas-y, let's go. Go. Peut y croire? Bah peut-être, on va voir. Oh putain, il a pris le siège. Hop. Non, 7%. Oh là là. Ah bah là par contre, c'est le drame total. Ah bah là, c'est la mort. Faut back, faut se tirer. En élevé. Faut se tirer. Ah oh, putain. Ah le Portugal va... Oh là là, mais ça, mais le jet de 7% qui passe, c'est abusé. Putain, quoi. Et tu sais quoi? Et le Portugais, maintenant, il veut bien, quoi. Bah sors-le vite. Il vient de se faire prendre. Il va vous sauter dessus directement. Par contre, ouais, on risque de se faire stack quake, mais tellement fort. Attends. Ça dit, il est repassé direct en faible, hein, l'anglais, donc au pire, on peut peut-être tenter une PLA en prenant 2-3 conneries. Bah déjà si tu sors le portugais, déjà. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, attends, parce qu'en plus je peux lui demander des repas de guerre et un peu de sous, donc... Ouais, c'est une bonne idée. Je ne crache pas dessus. On est bien d'accord, hein, je négocie avec le portugais, pas faire l'erreur. Oui, ok. Eh ben, je sors le portugais. Hop, pardon, j'ai remis la pause au cas où, mais c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, putain, on va se faire... Ouf. Bon, bah on verra bien, hein. Oh, ouais, enfin tu peux pas négocier avec quelque chose avec l'anglais, hein. Est-ce que je peux? Attends. Il est faible, hein, donc... Ah, tenter, hein. Bah, il va jamais vouloir donner Northumberland, parce qu'il y a toujours le fort, mais tu peux peut-être négocier Pâle, Tyrone... Ouais, enfin... Je peux négocier... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Cotentin aussi. Alors, attends, comment on peut faire? Ouais, moi, faut que je grossisse, hein, je suis désolé, mais... Alors, je peux négocier... Bah, je peux négocier... je peux négocier le Cotentin avec un seul des deux territoires d'Irlande. Sinon, je pouvais négocier les deux d'Irlande plus Man, mais pas le Cotentin. Donc... Bah, le Cotentin, ouais. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut? Il y a quoi qui nous court dessus, là, en fait, là? Ah, mais ouais, il y a énormément d'anglais, en fait. Bah oui. Ouais, il y a 20 000 anglais, quoi. Il y a 20 000 anglais. Alors moi, je vais essayer de repointer mes bateaux et... Parce que là, si on se fait stack wipe, on a l'air con, en fait. Bah si on se fait stack wipe, il va repasser en enthousiasme de guerre élevé et puis... Ouais, puis on l'a dans le fion, quoi. Attends, je regarde un truc... Après, on peut garder Tyrone, hein, il sera vassal, ça fait... Attends. On peut attaquer, hein. Je peux faire mieux que ça, on peut prendre Pâle, ouais. Le Cotentin, et libérer Tyrone du vassal. Ce qui fait que normalement, tu devrais pouvoir te jeter dessus. Alors peut-être pas tout de suite... Ouais, mais à la rigueur, je préférerais... comment? Est-ce que tu peux casser son alliance avec le portugais? Tu penses que ça vaut le coup? Parce que la France sera toujours là pour nous aider. Ouais, non, ça vaut pas le coup, non, c'est une idée de merde, effectivement. Non, puis pareil, garder Tyrone comme vassal, ça peut être une occasion d'attaquer l'anglais sans que ses alliés viennent si on attaque Tyrone, quoi. Et aussi. Tu peux pas. Ça te coûte pas moins cher si tu fais rétrocéder la province légitime de Man plutôt que la prendre comme ça? Oui, c'est vrai qu'une fois on avait fait un truc dans le genre. Attends, bouge pas. Ouais, rétrocéder la province de Man. Rétrocéder. Je peux lui demander que de faire ça pour l'Armagnac et le Maine. Ah ouais, donc c'est la France. Donc, attends, non, c'est renoncer... Ah non, pardon, excusez-moi. Non, rétrocéder, c'est que les territoires... Ouais, ça va être français, ouais. Et à la France, pour le coup. Donc c'est pas dans ton sens. Non. Putain, ce malchat, là, le truc à 7% qui tombe, quoi. Ah ouais, non, là... Ça, c'est un peu dingue. Non, mais je pense que là, il faut arrêter, il faut lui prendre alors, sa thune. Si, ce que je peux faire, au pire, déjà, pour sauver le stack wipe, c'est que sans mes bateaux, il pourra plus traverser. Normalement. J'ai mes bateaux qui sont à Pâle, je peux lui sauter sur ces 8000 bateaux à la con là. Ouais, on peut essayer de continuer, mais ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le siège en Écosse. Qu'on reprenne notre siège après. Ouais, ça va être tendu. C'est long, hein. Ouais, non, c'est tendu. Non, mais je pense que, écoute, prends pas Pâle. C'est pas nécessaire, parce que Pâle, on le prend quand on veut, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne toute sa thune et des repas de guerre, parce qu'il faut qu'on rembourse les emprunts à un moment. Ouais, mais si on prend toute la thune, je peux prendre aucun territoire. Alors après, on peut descendre, hein, bien sûr, mais... Parce qu'il a combien en thune? Maximum, si je veux, je peux prendre 825. Maximum. Ouais, mais il faut... essaye de filer un truc à la Bretagne, je pense. Hein. Le Cotentin, ouais, genre. Le Cotentin, ouais. J'ai une revendication dessus. Ouais, genre tu files le Cotentin... Je peux aller plus loin, hein, je peux te filer l'Ansonnet aussi. Hein.
dans ce cas-là. Ouais, mais il est pas collé à l'Alençonnais, ça va être la merde. Tu voulais Bordeaux? Bordeaux, non. L'Alençonnais, Cotentin, ouais. Il restera le Maine au milieu, mais je peux te filer ça. Par contre, je peux rien filer d'autre en Irlande. Non, mais au pire, tu files rien en Irlande, et puis on va se partager la thune, en fait. Il faut qu'on rembourse les emprunts. Là, on lui a mis un coup, quand même, l'air de rien, il va perdre 2-3 territoires. Ouais. Par contre, en lui donnant le Cotentin, enfin, en prenant le Cotentin et l'Alençonnais, je peux lui prendre 198 d'argent. Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez. Et pas de répa de guerre. Non, non, bah prends que le Cotentin, au pire. Ouais, file-moi que le Cotentin. Cotentin, je peux prendre 595 pièces d'or. Et les répas? Ah bah, à mon avis, non. Non. Et si je prends les répas, je peux plus prendre que 265 pièces d'or. Ouais, c'est pas rentable. Non, bah, prends les 500 balles. Cotentin, ça s'emballe. Tant pis, hein. Ouais, faut qu'on s'arrête là, quoi. De toute façon, là, à partir du moment où ton siège, où le siège est tombé ici, c'était baisé. Ah bah oui. C'est juste là, c'était baisé, donc là on laisse tomber. À partir du moment où le mec il gagne des sièges à 7% alors qu'on galère sur du 45%, voilà quoi. C'est... Attends, je regarde ce qu'on peut faire d'autre. Non, mais fais comme ça, de toute façon il faut qu'on arrête l'épisode. Oui, puis, oui. Je regardais plus s'il n'y avait pas un autre petit truc que je peux encore lui prendre, tu vois, des fois. Une connerie, tu vois. On va être en trêve un moment, on fait grossir la Bretagne, on lui a mis un coup dans les dents, c'est toujours ça de prix. Ouais. On reviendra plus puissant et plus vénère, et puis on pourra en plus rembourser nos emprunts parce que là ça a piqué quand même salement. Ça, j'espère qu'on pourra revenir plus vénère. Mais... Moi, j'ai déjà 7 emprunts à rembourser, ça me fait pas mal, ça me fait presque 290 balles. Il va falloir en reprendre pour l'institution, ça a piqué. Ah bah, moi, les emprunts, j'en suis à 17 et je vais récupérer 180 pièces sur tout ça, donc autant dire que je suis dans la merde. Mais bon, moi, ça va être dur de se remettre. France, la France va sûrement récupérer plein de blé. Je vous le dis, vous avez pas récupéré grand chose. Hein. C'est normal, ouais. Bon, on est parti comme ça ? Ouais, je pense qu'il faut. Il faut arrêter là, de toute façon. Allez, c'est parti. Bon, je vais rembourser tout ce que je peux rembourser. Ouais. C'est-à-dire 4 emprunts. Ouais, bah moi aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme on est en trêve, on peut faire des économies. Alors là, je peux te dire que ouais, c'est clair. Je vais enlever tous mes mercenaires. Oui, c'est mieux. Voilà. Je rentre chez moi. Bon, bah on a pris cher. Faut récupérer mes troupes, moi. Voilà. On a pris très 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 cher avec cette histoire. Bon, on a quand même gagné le Cotentin. Hein, quelque part. Ouais, on a gagné le Cotentin, c'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, entre ça pire rien. Putain, mais vous arrêtez de faire n'importe quoi, vous. Bon. Bah, il me reste 4 emprunts quand même dans l'histoire. Ah ouais, il y avait 20 000 Anglais chez moi, en plus les mecs qui sont en forme et tout, ça passait pas. Ça passait pas du tout. Non, non. Ouais, bah il nous en reste à quoi être direct, quoi. J'aurais peut-être non, mais je pense que la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer, mais avec. Comment ? Avec la Castille, moi. Ouais, peut-être qu'on pourra emmener la Castille, ouais. Parce que gérer le Portugal aussi. Ouais, parce que là, c'est vraiment trop la violence. Ouais, il y a des emprunts, putain, il y a trop d'emprunts. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, la France doit me faire la guerre, non ? La gueule, non ? Même pas, non ? Parce que j'avais promis des territoires et j'en ai pas filé. Mais elle s'en fout. Ah si. Ça lui perd un peu de confiance, ouais, quand même. Ah bah j'en ai perdu 1000, ouais. Moins 1000 à la confiance, moins 1000. Donc du coup, ils vont rompre l'alliance. Merde, putain, j'ai pas pensé à ça. Bon, tant pis. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Ouais, écoute. Hein. Bon, par contre, on clôture l'épisode ici, peut-être, parce qu'il était méga long. Ouais, oui, c'est vrai. Il est bien trop long, ouais. Donc, écoutez, hein. On a fait ce qu'on a pu, hein. Ouais, c'est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, hein, on a quand même pris quelque chose. L'Angleterre s'en sort affaiblie par rapport à avant. Bon, bah nous aussi, mais ça c'est un détail. J'espère que ça vous a plu, et puis on va essayer de redresser la barre dès le prochain épisode. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la perspective de la Bretagne sur la chaîne du Signe Noir, et puis à très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye, merci à toutes et à tous. A plus.